Je me suis rendu compte de deux choses. La première, c'est que notre territoire est plein de merveilleux villages qui sont en train de mourir, qu'il y a des terres magnifiques partout, partout, et que finalement, ce n'est que sur 5% du territoire qu'il y a vraiment un vrai bordel. Mais que 95% du territoire, il est magnifique et prêt à nous accueillir. Et je me suis dit, mais c'est quand même hallucinant que dans tous les espaces médiatiques et politiques, on ne parle que de ces 5%. Et que rien n'est fait pour réoccuper, réhabiter tous ces territoires, qui sont riches en plein de choses. Et donc, ça m'a poussé à faire deux choses. La première, c'est à démissionner de tous mes mandats, à renoncer à toute activité marchande et à me dire, mais il faudrait vraiment que nous nous réintéressions, en fait, à produire des biens de consommation durable localement et à intégrer dans ces territoires de vie, proches des petits villages, les éléments qui vont nous permettre de développer une économie respectueuse des humains et de la nature et permettre aux gens de venir réhabiter les communes, les petites communes. Je crois et j'impulse cette idée de verser le revenu de base inconditionnel à mon citoyenne locale. C'est que là aussi, je pense que si nous versons un revenu de base en euros, et encore une fois, je le dis très clairement, si jamais une proposition était faite, je la voterai les yeux fermés. Mais de suite après, je me battrai pour passer à l'étape suivante. C'est que je pense qu'aujourd'hui, si on verse un revenu de base en euros, nous allons accélérer encore plus la dégradation de l'environnement. Je pense que ça va donner encore plus d'argent aux forces financières. Ça va donner encore plus d'argent aux multinationales, parce que seules les multinationales aujourd'hui sont capables de produire suffisamment pour faire face à une augmentation de pouvoir d'achat des citoyens. Et que donc, si on met en circulation un revenu de base à tous les citoyens, qu'est-ce que vont faire les citoyens? Ils vont aller dans les grandes surfaces, ils vont aller acheter des discounters chez les discounters. Enfin bref, on va accélérer la dégénérescence de ce système. Et ça ne va pas être bon pour la planète, ça va pas être bon pour les droits sociaux, ça va pas être bon pour l'autonomie des gens. Et donc, une des règles du jeu, justement, du revenu d'autonomie, c'est de dire surtout pas, on ne verse surtout pas, si on peut, bien sûr, hein, encore une fois, parce qu'il s'agit de faire ce qu'on peut, mais on ne verse pas le revenu de base inconditionnel en euros, on le verse à monnaie citoyenne, de telle façon à ce qu'on puisse mesurer si le territoire de vie dans lequel on va verser ce revenu de base inconditionnel est capable de produire les biens et les services dont on a besoin. Parce qu'un des révélateurs qu'aura le revenu de base inconditionnel versé à monnaie citoyenne locale, c'est de révéler l'incapacité de l'appareil de production locale à assurer les biens fondamentaux des gens. Je pense qu'il ne faut pas raisonner uniquement revenu. C'est ce que font les gens. Ça se comprend. Hein. C'est beaucoup plus compliqué si on veut courir plusieurs lièvres à la fois. Mais voilà, moi je pense système de production. Et donc moi je ne m'intéresse pas que au revenu. Je m'intéresse à la façon dont ce revenu va permettre aux gens de produire mieux, de façon plus intéressante pour eux, développer. Voilà. Donc le fait d'inclure moi le revenu dans une structure avec des monnaies locales et avec une structure locale qui permet aux gens de coopérer ensemble et de développer des échanges locaux, ça change complètement de sens et ça n'est plus une charge. Dans le fait de rendre le travail rémunéré optionnel dans sa vie, est-ce que ça te paraît quelque chose qui soit possible dans la société qui vient? Donc je suis complètement pour, juste ce que je dis moi, c'est que je suis pour à condition qu'on aide la personne, si Voilà. elle le souhaite, à valoriser ses compétences. Voilà. Là-dessus, on Parce est d'accord. que sinon, on s'en débarrasse Oui, je suis d'accord. et on dit, eh ben, vous êtes Complètement autonome, d'accord. vous faites ce que vous Oui, voulez. je suis complètement Alors d'accord. moi, je vois qu'il y a des gens, il y a Oui, je 3% de la comprends ta population position. peut-être qui sont comme ça. Et Oui. donc moi, je veux m'occuper des Oui. gens les plus fragiles et Qui tout, n'y qui arriveront peuvent pas. être les meilleurs en plus. Oui, je comprends Ils ce que tu peuvent veux être dire. les meilleurs Oui. dans leur domaine. Et alors, quel rôle particulier, toujours pareil pour bien comprendre, quel rôle particulier jouerait la municipalité dans cette organisation de la coopérative d'activité? Alors, pour moi, le fait qu'il y ait des monnaies locales et qu'il y ait cette coopérative, ça oblige la municipalité à agir comme un État qui gère une économie, c'est-à-dire la municipalité devient responsable de son économie locale, ce qu'elle n'est pas trop pour l'instant. Bon. Et donc, ça oblige à toute une gestion démocratique, donc par la commune, par les gens élus, enfin, on peut faire comme on veut.
Et ça se traduit par un financement. C'est-à-dire D'accord, que... donc il manque des boulangers, genre ah ben, on va créer une activité de boulangerie, par exemple. Non. Non. Enfin, ça peut, oui, ça oui, peut, ça peut. Mais je veux dire, a priori, d'abord, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être boulanger? Oui, voilà, c'est ça. Hein? Oui, mais si on a besoin de boulanger, et, bah, on peut, bah, on peut, voilà, on peut l'inciter. Voilà, on peut l'inciter. C'est de la politique économique au niveau local. C'est-à-dire, ce qu'on fait au niveau national en faisant des impôts, des subventions, si on veut quelque chose, on donne des moyens pour cette chose-là. Et du coup, il y aurait des personnes qui pourraient, par exemple, accompagner les porteurs de projets qui arriveraient pour les aider à créer leur activité au voilà. Télé. C'est ça l'idée. C'est l'idée qu'on ne laisse pas les gens tout seuls et qu'on s'aide les uns les autres. Mmh. Voilà. Mais c'est, bon, c'est pas complètement abouti. Mais l'idée, c'est de se dire qu'on a changé de système de production et que dans le nouveau système de production, ce sont les individus eux-mêmes qui sont les vraies richesses et qui mais qu'il faut exploiter quoi, parce que ce n'est pas vrai que les richesses des gens éclatent au grand jour comme ça toute seule ou que n'importe qui sait utiliser et sait utiliser ses journées s'il n'a rien à faire.